La vie est une tartine de merde, répète l'écho. Et chaque jour qui passe, on en mange un morceau. Quand j'entends ces propos dans la bouche des gens, je crois déjà sentir une odeur d'excréments. Ceux-là qui se complaisent dans une vie fétide et ne tentent rien pour échapper au sordide, je ne peux m'empêcher de croire qu'ici-bas, ils ont une attirance pour le goût du nougat. Comment peut-on se dire que la vie est gâchée quand le pire des tracas dans nos supermarchés n'est pas la pénurie des produits désirés, mais l'embarras du choix rayon produits laitiers. Dans notre société en corne d'abondance, là où bien trop souvent notre souci intense n'est pas de s'acheter l'aliment nécessaire, mais de perdre du poids, d'échapper aux ulcères. Nos armoires qui regorgent de tant de vêtements qu'il faut s'en séparer à peine utilisés pour faire de la place, retrouver du rangement, courir dans les boutiques et vite s'en racheter. Imitant ces Romains d'un empire décadent, vomissant toute la nourriture avalée, afin de pouvoir, dans une orgie d'aliments, assouvir leur désir de boire et de manger. Un vent mauvais parfois nous amène le chagrin, maladie, désamour ou la mort d'un ami, nous jette malgré nous dans le fond du ravin, distribuant les rôles d'une triste comédie. Faire le gros dos ou bien braver vents et tempêtes, tenir bon, surtout pas se laisser dériver, le malheur s'éloigne vite et file aux oubliettes, laissant place au soleil à nouveau dégagé. J'ai reçu bien des coups, j'en ai aussi donné, et quand je suis tombé, je me suis relevé. J'ai dû serrer les dents, j'ai même parfois eu peur, la route est chaotique dans la quête du bonheur. Ma vie c'est maintenant du cramic au raisin, nappé de beurre de ferme et de miel d'acacia. Depuis que j'ai trouvé ma gazelle dans les bois, c'est elle qui ensoleille ma chambre tous les matins. Qui ensoleille ma chambre tous les matins.